Oh, salut mon bou, ça va? Quoi de beau? Je t'ai mis sur ma télé. Ah! Attends, je mets un peu le. Je vais mettre tout le casque parce que le micro de la manette, c'est pas top. Que c'est peut-être même mieux. Je suis pas fan du micro de la manette. Voilà. J'allais te le dire, le son est moins bon. Ouais. Ouais, il est bizarre ce son. Hein. Bah écoute, là j'ai acheté Monster Rise. Quand il est sorti là. J'ai un peu avancé, mais il faut que je finisse Elden Ring. Ça fait un an que j'ai le jeu, je ne l'ai jamais fini. Et là, j'essaye. Ben là, j'ai fini toute la zone. Là. Ici, là, j'ai fini tout ça, toute cette zone, c'est fini. Mais à un moment donné, il me semble que j'étais tombé devant une grande porte. Ouais, je crois que c'est celle-là. Qui était fermée. Il y avait un. Donc j'ai buté le boss. Ah ouais, je crois que c'est ça, c'est le chemin. Parce que avant de buter le boss, je crois que j'étais venu ici. Il y avait une barrière magique qui m'empêchait d'avancer. Du coup, j'ai buté le boss et je crois que je dois revenir ici en fait. Ouais, ça va être ça, gars. Ouais, ça s'était fermé, il n'y avait pas de chevalier là. Mais laisse tomber le labyrinthe, quoi. Ouf. Ça donne quoi le mage? Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Parce que. Non seulement t'as le bâton magique, tu vois. T'as le bâton magique et tout, pour balancer toutes tes magies. Là, j'en ai trois. J'en mets pas trop, sinon après c'est le bordel. Je crois que je peux en mettre jusque 6 ou 7, je crois. Actuellement. Mais je mets pas tout. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Mais ce qui est top, c'est que t'as des épées qui s'équilibrent avec la magie, tu sais. Et ça, c'est vraiment pas mal en vrai. Tu vois, genre ça c'est magie. Tu vois, attribut magie. Attribut magie. Et la magie, c'est l'intelligence. Sinon, je crois que j'ai chopé. J'ai les deux bâtons les plus forts du game, je pense. Mais je suis pas sûr. Je sais pas où je vais, hein. Je sais pas. Bah, j'avais déjà fait une run. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Ouais, je le fais à la magie. Hein. Quoique je pourrais l'attaquer comme ça. Faut accepter les dégâts. Hein. Punaise. Ah ouais, je suis une chips. Hein. Quand je prends un coup d'épée. Ça fait mal. Ah ouais, il y a ça là-bas.
costaud. What the fuck? Moi, j'ai jamais vu un truc aussi gros. Pas où je suis. Apparemment, ça avance par là. Là, ici, j'ai un contrat. Je dois buter quelqu'un, je pense. Je pense. Je viens de là, il y a un truc là. Il y a encore un passage là-bas, mais non. Je peux pas faire appel à mon cheval. Attends, je viens de où? Je viens de là. Hein. Et puis ça descend. Bon. Ok. Ça descend. Tu veux que je mette la caméra? On va mettre la caméra. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Putain, ça m'angoisse. Les terres interdites. Il manque 10 000 pour monter d'un niveau là. J'ai peur. Attends, j'ai 10 000 âmes. Je peux pas remonter là. J'ai pas envie de perdre mes âmes, quoi. C'est combien de niveau? 60 000. 60 300. Ah, mais fais pas ça! On va prendre un petit niveau quand même.
Je sais pas où on va. Alors, ça, c'est l'endurance. Ça, c'est la magie. Ça monte encore, hein. Ben, en vrai, je pense être bien. On va monter l'endu. Non, c'est pas l'endu, c'est l'esprit. Bon, ben, c'est pas grave, ça me fait gagner de la magie. C'est bien. C'était en dessous, normalement, j'aurais dû prendre de l'endu. Pour la charge équipée. Mais c'est pas grave, on le prendra la prochaine fois. Bon, du coup, on n'a plus rien à craindre. Qu'à poil de puissance, hein. Je sais pas si mon bâton. Oh putain. J'avais un autre bâton. Ah ouais, ça rigole zéro ici, hein. Pas le bon bateau, je crois. Si, c'est le bon bâton. On verra. Parce que mon autre bâton, il est. Fait un peu moins de dégâts, mais il est plus rapide. Celui-ci. Ah ouais, donc ça descend par là. Ok. 386. On dirait que la brume, elle se lève. Je suis là, merde, je me suis trompé de chemin. Donc il y a un chemin à gauche. Il n'y a rien à droite. Ok, il y a des manes en haut là. Ouais, donc il n'y a qu'un seul chemin possible, quoi. Il y a de la magie, hein. Oula. Ouh, bébé. Ouh. Ah, comme ça, je vois au moins, tu vois. Ça remplit pas entièrement ma popo. Ah, ça là? Ah, c'est pas. Ouais, c'est une torche en fait.
Mais c'est une torche spéciale parce que regarde, elle fait aussi une... Elle fait ça, elle crache du feu. Oh, c'est classe, hein. Bon, ben, y a plus rien. T'as l'impression que ça monte. Je crois qu'il y a un côté qui monte et un côté qui descend. Je fais 306 de dégâts. Oh putain. Oh, je suis empoisonné. Bah bravo. Aïe, j'ai pas vu. Ah, aïe. T'as cru que c'était une arme? Mais en fait, ça sert, ouais, ça sert d'arme aussi, hein. Mais non, non, c'est une torche. L'effet de lumière, ça illumine bien et tout, hein. Elle est là, la torche, en fait. Ici, là. Torche barbelée. Elle est classe, hein. Comme ça, tu vois, j'ai la torche, j'ai mon bâton, et ensuite, j'ai l'attaque double avec... avec mes deux lames. Et j'ai aussi ça, regarde. Attention. Alors ça, ça envoie du steak. Hein. Ça envoie du steak. Merde. Ça, tu fais ça contre un boss qui est plutôt tanky, tu sais. Qui résiste un petit peu à ça, à la magie tout court. Et tu utilises ça... Ça marche bien. Non, j'ai... Non, ouais. Contre les boss, ouais, ça va. Franchement, en vrai, ça va. Parce que... Limite, quand tu bats contre un boss... Je peux me faire toucher une fois. Pas deux, mais une fois. Contre un boss, hein, je parle, un gros, gros boss, hein. Je peux me faire toucher une fois. Donc c'est jouable quoi. C'est un choix. Ouais. Même question armure, c'est pas trop trop tip top. Même si. Ah ouais, je peux mettre ça, tiens. Ah ouais. En fait, il faut bien regarder, en fait, quand tu joues au jeu, c'est des bonus et malus. Malheureusement, je trouve que c'est un manque. Dans le jeu, il n'y a pas d'explication sur les bonus et malus que tu as sur ton perso. Parce qu'en fait, genre, je porte là, tu vois, un... Le masque de pierre d'éclat, tu vois. Il n'y a rien de marqué. Merde. Si, c'est marqué. C'est marqué au grand haut, mais il y en a où il n'y a rien de marqué. Augmente grandement l'intelligence, tu vois. Et si je retire, tu vois, en haut, j'ai trois bonus. En dessous de ma barre de. Là-bas. En dessous de ma barre de. D'endurance. J'ai quatre bonus. Et si je retire, il m'en reste plus que 3. Donc là, je vais le mettre.
retrouve mes 4 bonus. Mais des fois, il y a des autres trucs, genre. Attends, je te montre. Genre l'huile. Lui, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Il n'y a rien de marqué, tu vois. Je le retire. J'ai toujours mes 4 bonus. Sauf que si je mets ça là, les gants de l'âme sort, il n'y a rien de marqué. Pas marqué mes bon de bonus ou quoi que ce soit. C'est juste marqué dans les stats, tu vois. Je prends un peu de stats là. Mais j'ai pas de bonus contrairement au malus. Mais si je les mets, tout à l'heure j'avais 4 bonus et là, je me retrouve avec 5 bonus. C'est bizarre, hein? Et ça, les bonus malus, eh ben ça, on le voit pas dans le perso. Là, ici. Il n'y a pas marqué ce que tu as comme bonus et malus sur ton perso. Or, actuellement, j'ai 5 bonus et je ne sais pas ce que c'est. Surtout le cinquième que je viens de mettre, grâce aux gants. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il faudrait exactement. On sait pas combien exactement. Ouais, c'est vrai, hein. Ça manque de précision, le jeu un petit peu quand même. Ils ont fait un jeu un peu technique, mais je trouve que ça manque de précision. Et du coup, là, j'ai 5 bonus. Là, je suis toujours à 5. Alors, attends, je regarde parce que j'essaie de mettre un truc un peu plus tanky. Au cas où. Tout en gardant la charge équipée tout en bas là. Tout en bas là, c'est marqué charge équipée. Il faut que je reste en charge moyenne. Tu vois. Tiens, lui, je voulais essayer un truc. Voir si j'ai un bonus. Non, j'ai pas de bonus. Et lui, charge lourde, charge lourde. Équilibre. Alors l'équilibre, c'est très important. Je ne sais pas ce que si tu te souviens à quoi ça sert dans les Souls. Mais l'équilibre, ça sert à ne pas chuter lors d'une attaque, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu perds pas de temps. C'est-à-dire que tu peux encaisser les coups sans tomber. Et donc, tu peux continuer à donner des coups. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à ça, l'équilibre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, ça. Mais l'équilibre en bas, là, c'est marqué en bleu. C'est très important, l'air de rien. Surtout quand tu veux jouer tanky, tu vois. Je crois que je vais mettre ça. Merde, qu'est-ce que je fais? Bon. Bon, du coup, je parle, je comprends plus. Je sais plus où est-ce que je dois aller. Ça y est, je suis paumé. Mais c'est quoi cet endroit? Ah, je me suis trompé de bouton! Fin de Dieu, une chips! Moi, j'ai pris un coup. Je suis une chips. Mais ils font mal, hein. Je crois même pas que c'est le fait que je manque d'armure, hein. C'est juste qu'ils sont.
qu'ils sont costauds, les man. Ah oui, Adriano, je m'en souviens. Ah ouais. Le mec, c'était Hulk. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, ben dans P... En tout cas, dans PS, ouais, c'était ça. Hein. Oh, t'es... Oh là 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 là, j'ai cru voir. J'ai vu la mort devant mes yeux. J'ai cru que le gars allait me taper. Mais ça va. Regarde, parce que des fois, au cas où, s'il n'y a pas un petit passage secret là en bas. Ça, ils aiment bien ça aussi dans les Souls. Mettre en contrebas, tu sais, de. Des portes. T'as pas looké. Je sais même pas ce que j'ai gagné avec la bouboule que j'ai butée. J'ai pas eu le temps de voir. Adriano. Ah ouais, t'es joueur. C'était en PES6, je crois. Il me semble, hein. Là-bas, il y a un man là-bas, là. C'est quoi ça? C'est une bouboule magique. Ouais, juste au bord, quoi. Ah, mais là aussi. Ça donne rien. Ok. C'est pas fini encore, mais... Tiens, un man là-bas, là. On peut monter là-dessus. Oh, c'est une tête de mort, regarde. Oh, tête de mort géante. On peut monter là-dessus, tu crois? Non. C'est un truc à mourir, ça. J'ai envie de monter en haut. Mais... Vas-y, laisse tomber. Je vais encore mourir en tombant là de haut là.
Avec Ibrahimovic, ouais. Ah ouais, tu t'es arrêté là? Ah, moi, j'ai jamais été là. Oh, il y a un truc dans sa bouche. C'est une carie. Il y a une carie qui lui fait mal. C'est pas un feu de camp, ça? Non, c'est pas un feu de camp. Il manque un tout poil de puissance. Hein. Poil de puissance pour donner deux coups au lieu de trois. Faire ça. Est-ce qu'il y a moyen de monter un peu mon... Je pourrais mettre ça, hein, mais en attendant. Ouais, je gagnerais 4 points d'intelligence. C'est beaucoup. Ouais, mais je passerai en charge lourde. Oh, je pourrais monter mon arme. Mon bâton magique. Pierre de forge sombre, niveau 7. Je pourrais monter de 1, mon bâton magique. Ça, c'est plutôt cool, ça. Graine dorée, c'est cool aussi. Il y a un truc qui marche là-bas, mais... Ok. Il faut faire tout le temps des aller à droite, aller à gauche, pour rien louper quoi. Tu vois là, genre derrière le crâne là. Y a rien? Non. Il faut pas louper le feu de camp quoi. T'as vite fait de le louper ici, hein. Ah, il y a une statuette, ça veut dire qu'il y a un boss? Non. Ah, c'est un mauvais présage, ça. Hein. Oh là, j'ai vu. Non, mais attends, c'est pas possible. Tu fais une soupe aux lentilles? Attention! Attention! Oh putain de merde! Attention! Exactement, ouais. One shot, ouais. Ouais, si tu augmentes une arme toute bidon et que tu le regrettes, tu peux plus revenir en arrière parce qu'il y a plus de, il y a plus de pierre. Ouais, je suis dégoûté aussi pour ça. Je trouve que c'est complètement claqué, quoi. Bon. Au moins, on est au courant de ce qui va arriver. Voilà. Et là, je suis prêt. Ah, tu peux venir, gamin. Il est où? Il est. Olé! Mon cheval qui a tout pris. Et là, tu vois,
Il faut que on joue avec mon chevalier là. Baby. Je crois pas que c'est une bonne idée d'être à cheval. Il y a pas assez de place. Mais il faut que je joue avec mon SRAM, tu vois. Round 2. On va y aller à pied. Hein. Donc là, j'ai une popo qui augmente ma magie, tu vois. On va se mettre full magie. Voilà. Hop là. Vas-y, mon Sraba. Faut y aller. Pas sûr. Ben mon Sraba, il est bientôt mort. Hein. Dur. Faut que je trouve un endroit pour le buter. Tu frappes fort, ouais, je frappe fort, mais lui aussi. Hein. Et mon Srab, il vit pas assez longtemps. Je suis un peu dégoûté. Juste pour voir. Hein. Il pue la merde, mais... C'est juste pour voir ce que ça fait. Voilà, un mage. Ouais, l'autre, il casse tout sur son passage, quoi. Bah, il fait zéro dégâts. Il fait zéro dégâts et puis il va tomber très très vite. Merde. C'est pas ça mon... Il est niveau 1, lui. Non? Non, c'est ça, ouais. Je regarde si je peux pas mettre quand même un bouclier ou peut-être de l'armure. Genre je retire ça. Je mets ça. Je prends ça, je peux mettre un truc un peu plus tanky.
C'est que du physique pur. Et où le poids? Ici. 33,28. Putain, c'est 10. Treize. 16. Je suis encore en charge moyenne. Ça, c'est énorme. T'as quel niveau? Je crois que je suis au niveau 100 ou 99. Où est-ce qu'on voit ça? 100. Je suis au niveau 100. On va retirer un peu de magie, hein, du coup. Je vais perdre beaucoup de buffs magiques, mais c'est juste histoire de tanker parce que le one shot, ça fait mal, tu vois. Voilà un magicien tanky. C'est ce qu'il y a de plus tanky. Je pourrais enlever un peu de tankiness et rajouter un bouclier même. Attention, tu fais mal. Fais attention, hein. Oh! Je croyais qu'il allait attaquer mon copain. Bon, c'est un peu près mieux. Hein. Au moins, on n'est pas one shot. C'est déjà une chose. Mais ça va être compliqué, hein. Je t'avoue qu'un petit bouclier en vrai. Là, c'est que du physique. Qu'est-ce que j'ai le droit comme bouclier physique? Ça. Ça, j'ai le droit. Pèse pas lourd en vrai, hein.
Je t'avoue qu'un petit bouclier là. Merde, je me suis trompé. J'ai monté mon bouclier. C'est un bug ou... J'ai pas compris. Pas compris. Tendu. C'est l'endu. Aïe. Aïe 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 aïe. Faut garder l'endu. Ça va passer. Ouais. Ça va passer. Faut juste que je garde l'endu. Putain, j'ai pas assez d'endu. Ouais, parce qu'en fait, si quand j'ai plus d'endu, j'ai plus de. Mon bouclier sert à rien. Gère. Ouh, attention. Srab. Oh, il esquive tout. Oh, il l'a buté. C'est mon Srab qui a donné le coup final. Bon, bah c'est bien. C'est bien parce que... Du coup, je vais rester comme ça. Parce que là, je suis magie et tanky et ça me plaît bien. Ouais. Ça m'a appris... une lame double noire. Ça m'a appris... Putain, est-ce que tout ce que j'ai eu... À monter une sorte de nouveau build de bris hybride. Ça, c'est cool. Putain, il m'a donné de la... 60 000 âmes, il m'a donné. Du coup, on va rester comme ça. Hein.
C'est bien parce que des gros fights comme ça, GG, merci, merci. Des gros fights comme ça t'apprend à jouer d'une autre manière. Avec le stuff que j'avais tout à l'heure, je pouvais pas passer, c'est pas possible. Que là, tu vois, j'étais bien tanky avec le bouclier. Oh, y a, t'as vu, zéro. Je perdais rien du tout. Hein. Rien du tout. Fallait juste avoir de l'ordu. Attends. Je peux peut-être monter en haut là sur le côté. Hein. Ah. Et on va aller là-bas. Ah, je suis content, on a bien géré. Hein. Ah, et du coup, j'ai plus de. J'ai plus rien. Bon, c'est bon, on peut y aller. Bon, moi j'aime bien prendre mon temps. Hein. Découvrir les lieux et tout. Rien louper. Parce que des fois, tu sais. Des fois, il suffit que tu oublies d'aller dans un petit endroit et tu loupes un bouclier. Je dis ça comme ça. Mais tu louperais un bouclier qui ferait toute ta game finalement, tu vois. T'as plutôt intérêt à bien fouiller, quoi. Et ça me donne même pas un niveau. 60 000 âmes, c'est même pas un niveau. Pour le dire. Mais en vrai, il a plutôt de la gueule, mon perso, je trouve, maintenant, du coup. Hein. Il manque. Regarde, hop là, avec le petit bouclier, un chevalier magique ou une chevalière, parce que c'est une fille. Je sais pas pourquoi des fois il fait ça. Ça t'a la fait aussi, mon piccolo? Je dis piccolo, hein, mais je pourrais dire bon, mais. Est-ce que toi, des fois, quand tu discutais avec des personnages, ou tu fais action avec le triangle, ça te faisait ça aussi? C'est chelou, hein, ouais. Ouais, elle va dire la même chose. Ah oui, il faut monter un niveau, putain. Quel con. Non. 61 600. Je vois combien? Donc j'avais dit l'endu, hein, tout à l'heure. Ouais, c'est ça que j'avais dit, l'endu. Go l'endu. Faut monter de l'endu. Ouais, c'est bizarre. Hein. J'appuie, par exemple, je suis là. J'appuie sur le site de grâce et ça me fait des prières. Ça me fait.
Ou alors il met son doigt vers le haut, ou tous des trucs comme ça. Et je te jure, tu sais où est-ce qu'on est là? Grand ascenseur de Rold. C'est le même endroit ici que l'entrée du grand ascenseur. Ici, du plateau d'Atlus. Il y avait un grand ascenseur, je sais plus où est-ce qu'il est. Ah, il est là. Tu vois, grand ascenseur de Dectus. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à l'activer, je sais pas pourquoi. Oh, mais attends. Il y a un truc là. Là, ici. Hein. Merde, je sais pas quoi faire du coup. Là, je suis lourd. Putain, tu connais un moyen d'être niveau 720 en une minute? Putain de merde! Ah ouais! Ça fait peur ton truc là. Ouais, c'est un glitch. Punaise! Ouais, moi ça me fait peur quand j'entends des trucs comme ça. Ça te casse le jeu direct alors en fait. Après, j'imagine, ouais, ça peut être fun, tu vois, quand t'as fini le jeu au moins une fois, tu peux le faire. Mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, t'es monté jusqu'au niveau 150 dans le game? Ah ouais. Pas mal, hein? T'es déjà été ici? Je suis jamais venu ici, moi. Voilà, on a découvert ça. Faut aller ici. Faut aller buter Oslo.
Mais avant d'aller le buter, on va aller chercher. Il y avait un autre truc que j'avais vu. C'est quoi ça? Une grosse ville où il y a des chevaliers Jedi. Ouais, je crois que tu confonds parce que ouais, je crois, je vois de quoi tu parles, toi. C'est tu parles de la ville magique en fait, où il y a tous des magiciens. Mais les magiciens, c'est pas ici, hein. Je crois. Hein. Là, il le refait. Ouais, c'est dingue ça. Pourquoi il fait ça? Finally, we meet the Tarnished, who would be Lord. Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. For he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. You are about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice, whether she wishes it or not. But how would the lord, crowned so, be looked upon? Chosen tarnished and would-be lord, dare to tread the path of true rigor, spare the poor girl, and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Shabri, oui. Chosen, tarnished, and would be lord, descend into the depths. Descendez dans les profondeurs, loin, sous la capitale de l'Abrimonde, et demandez à rencontrer les trois doigts et la flamme exaltée. Si vous héritez de cette flamme exaltée, votre chair servira de combustible. Et la jeune fille pourra être épargnée. Afin de vous permettre d'emprunter la voie des justes jusqu'au rang de dame, celle de la dame du chaos. Réduisez l'arbre monde en cendres et brûlez tout ce qui divise et discrimine. Ah, puisse le chaos régner sur ce monde. Ouais, il a l'air vénère, lui. Descendez dans les profondeurs, loin sous la capitale de l'arbre. Donc en fait, il est en train de m'expliquer les deux choix possibles pour la fin du jeu. C'est soit je bute la dame là, ou soit je brûle et je laisse. La place au trône à la dame. Burn and incinerate. May chaos take the world. Et il bute comme il gueule. Ah putain. Bon. Attends, j'ai envie un dernier petit con. Chosen, tarnished, and would be lord. Descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. May chaos take
the world. May chaos take the world. Comment il s'énerve? Aïe aïe aïe, je te jure. Ouais, c'est ce qui compte, c'est le gameplay. Mais du coup, il y a plusieurs fins disponibles, je pense, dans le jeu. Bon, tu sais quoi, avant de continuer là, on va aller là-bas. Ah, ici, là. Il y a un fight. J'imagine, c'est un fight. Quoi? Ah ouais, là. Bah non, c'est pas... C'est un peu plus loin. Ici. Non, moi c'est ça. Ok. Je sais pas ce que c'est. On va essayer une autre méthode. Hein. Mon bouclier, s'il te plaît. Aïe! Petit bâtard. Bon, bah, ça marche pas, cette méthode. Du coup, on va changer d'équipement et on va prendre ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'épée, qui est pas montée à fond. Hein. Et là, ça va rigoler zéro là. Ah, il veut esquiver ma magie. Bah. On va lui montrer c'est quoi la magie. Faut juste que je trouve le bon timing et puis c'est bon. Viens frérot, tu vas voir, il va prendre cher. Alors attends, je suis pas. Il veut pas venir. Hein.
Mais là, il vient. Oh ! Comment il a esquivé ça ? Voilà. Comprende? Mi amore. GG, tu vois, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Cette épée, elle est incroyable. Parce que tu peux t'en servir pour la magie, ou tu peux même t'en servir pour aller au cac, tu vois, taper comme ça, tu vois. Et la magie de cette épée. Quand tu joues contre des joueurs qui esquivent ta magie, là, tu prends ça et t'es bien. Bon, du coup, il m'a donné un. Putain. Il m'a donné un full équipement, là. Merde, c'est quoi que j'avais comme gant? Je me rappelle plus c'est quoi que j'avais comme gant. Merde. C'était ça que j'avais. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Tu vois, regarde, il y a encore des boss là que je sais pas, des trucs que je dois buter. J'ai mis tous des. Tu vois, des têtes de mort ou des choses comme ça. Ouais, il y a encore des trucs, hein. Encore des trucs à faire. Du coup, on va voir qu'est-ce qu'ils disent ici, parce que je crois que c'est le héros que j'ai buté ici. On va aller voir Pat. Hello again. You hunted down Tragoff? Are you certain? No, it's quite all right. Fine work. I'll give Tanith the news. Have some rest, but... Cheers for that. If you follow this heroic... It cannot come a day... If you follow this... It cannot come a... Qu'est-ce qu'elle dit? Putain, j'ai pas vu en fait. Follow this heroic path. It cannot. You're still alive, I see. Voilà, on a appris toutes les compétences. Je fais ça parce que je crois qu'il y a un deal avec Pat. Il est toujours là. Il n'y a rien qui change, hein.
que je l'ai fait, ça, ou pas? Putain, même là, il y a un fight, hein. Je sais même pas s'il y a un fight avec qui. Ah, j'ai buté un dragon. Dragon électrique. Je sais pas si... Alors, normalement, j'ai vu trois dragons dans le jeu que j'avais rencontré. Et genre, midlife, ils se sont barrés. Mais le dragon électrique, il est revenu. Une deuxième fois, je l'ai buté. Les deux autres, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Un géant dragon blanc. Électrique, avec des éclairs rouges et tout le tralala. Putain, mais c'est tellement grand. Mais ça, c'est quoi, ça? Vas-y, je vais y jeter un œil vite fait. Hein. Ah ouais. C'est avec le loup. Le loup, l'ours. Ça, c'est avec l'ours. Il y a un ours géant là-dedans et... Merde, je me suis trompé. Quel con. Oh Eh, vas-y! C'est même pas moi qui t'attaque! Ouf! Ah, c'est lui qui donne ça? D'accord. Ouais. Bon bah ça c'est réglé. Ça c'est un téléporteur. Ici j'ai rien fait ici. Nada. Je crois que c'est un téléporteur aussi, là. Je devrais changer le... Mettre ça, une bannière. Voilà, et ici, c'est quoi? Ah, je sais c'est quoi. Ouais, c'est un truc à activer et que... J'ai pas la bonne clé. Il y avait quatre portails. Je les ai tous faits, là. Sauf le dernier. Tu vois, le portail, là, je l'ai fait. J'ai buté un boss. Là-bas aussi. Il manquait que celui-là. Mais j'avais pas la clé.
Oh, j'ai toujours pas de clé. Qui c'est qui vend ça, une clé imprégnée? Une clé lame imprégnée. Des clés lames, j'en ai, mais des clés lames imprégnées, ça me dit rien. Là, ici, c'est le forgeron. Voilà la table ronde pour voir ce qui se passe. Les deux doigts, tiens. Well, you know what this means. The fingers shaken. Bouleversé par la tournure des événements, sont occupés à consulter la volonté suprême. Parce qu'ils auront terminé, les doigts dispenseront à nouveau leur sagesse. If not ten, no matter for me. But you, how will you ever manage the way my... Oh. Putain, je souhaite brûler les épines impénétrables. Heavens forbid, that is not the domain of mere men. The burning of the earth tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the Rune of Death, too? The Rune of Death goes by two names. The other is Destined Death. The forbidden shadow plucked from the Golden Order upon its creation. Unleashing the Rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on. Finish the job. Take the course you deem most worthy. You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the earth. Ben voilà. Special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the earth tree, a sacrifice is needed of one who envisions the flame. Eh ben voilà. And can lead you to the rune of death. D'accord. Elle m'expliquait comment brûler la porte aux épines, là. Et eux, ils sont en train de clapser, hein. Les deux doigts, là, ils sont en train de mourir. Donc, en fait, il faut que je continue là où j'ai été, dans le monde des géants, là, que je récupère la clé de je ne sais quoi, là, et qu'ensuite, je retourne à l'arbre monde, et que je sacrifie une fille, enfin, un être. Et à mon avis, ça sera la fille qui s'est dit justement prête à se sacrifier.
Greetings, you have this. Ok, ok. Well, I took you no matter it's out your arm. Donc ça, on peut le renforcer, hein. Ça. À quoi ça sert de renforcer un bouclier ? Je sais pas. Alors là, le dilemme, c'est ça ou ça ? Ça. Parce que j'ai qu'une pierre. Hein. Ça ou ça ? 256, 263. Bon, on va prendre celui-là. Voilà. J'ai plus de pierre. Back already, no matter. On va renforcer un petit coup mon épée. Par contre, le bouclier, je vois pas ça sert à quoi. Ça me coûte rien, je peux le faire. Plus 6, ouais. Ah. Parade dorée. Vœu d'inflexibilité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas d'explication. Ouais, écoute, on va, ça va rester. Et alors la meuf qui est en bas là, qu'est-ce qu'elle dit elle de nouveau ? Elle dit toujours rien. Hein. À propos de son faucon là. Ok. Ici, il y a plus rien. Et ici, bon, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on se ferait pas un... Ouais, ça on l'a fait. Ça on l'a fait. Ah oh, ouais. Faut tester pour savoir, pas le choix. C'est vrai, ouais, t'as raison. Et ici, c'est une femme qui demande des yeux, tu sais ? Si toi, tu sais où en trouver des trucs comme ça, des yeux.
tu sais, qu'elle les mange. Et ils en vendent pas ici. C'est une sorte de fruit, mais en fait, c'est des yeux. T'as raison, je vais le prendre, le truc. Je vais le faire. Back already, no matter. C'est quoi, il y a là-bas? Ce qui est classe, c'est dans Elden Ring, c'est les temps de chargement. Ça, ils sont très très courts. Quand tu vois la qualité du jeu, tu vois, c'est elle. Special grapes, which only grow on those who've been clasped by these. Could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. Oh, ça a l'air incroyable, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça, grâce à PS5. Elle est incroyable, cette console, quand même. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Compétences des antiques guerriers de l'Arbre-Monde. Vous brandissez votre bouclier pour vous imprégner du pouvoir d'or, ce qui vous rend invincible pour une courte durée. Ce qui veut dire qu'en fait, si je reçois un gros choc, par exemple un gros boss qui vient, qui me tape, plutôt que de faire ça, je fais ça et il ne me touche pas. C'est ça que ça veut dire. Non. Non, non. Là aussi, là, j'ai un combat, là, je sais pas c'est quoi. Ah ouais. Alors là, je me rappelle plus du tout c'est quoi. Ici, il y a un gros fight. Si je l'ai mis, c'est que je l'ai buté, en fait, tout simplement. Quel con. Oh non, mais je l'ai buté. Je peux le retirer. C'est un fight que j'ai oublié de retirer. Désolé, les copains, vous avez cru voir un fight, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a plus rien à voir, les gars. Oh putain. Oh. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excuse-moi. Mais alors? Ah ouais, faut que je retire... D'accord. Faut que je retire mon bouclier. LOL.
Je me suis trompé, excusez-moi, monsieur. Ah. Excusez-moi. Ah. Ah mais tiens, attends, je vais essayer justement la parade du bouclier. Vas-y, on va essayer. Faut essayer. Il est où? Oh! Oh! Oh, c'est incroyable! Oh mais c'est incroyable, ouais ça marche. Ça marche bien. C'est bien, hein, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vraiment très très court. Franchement, pour des gros gros fights, ça peut être vraiment pas mal. Mais du coup, on peut pas monter le délai. Tu sais, ça serait complètement cheaté. Hein. Tu montes le délai, ouais, c'est classe. Hein. Ah, bah là, il y a un gros fight. Tu vois. La tombe des héros, ah, ouais, je me rappelle ça. Non, c'est pas ça. C'est encore autre chose, ça. Ouais, c'est pas pour maintenant ça. Ça fera ça beaucoup plus tard. Merde. Oh, j'ai mon nez qui me gratouille. Oh, je vais éternuer. Tu vois? Ah ouais, t'es ici, tu peux plus ressortir. Mais oh, c'est un sketch. Non, ou alors je me mets là. Pourquoi l'œil de bête se met à trembler? Quand ça dit ça, ça veut dire qu'il y a un... À tes souhaits, merci. Ouais, tu vois, c'est marqué l'œil de bête, ça vient trembler. Mais ça le dit pas ici. Ça l'a dit quand je suis arrivé là. Mais genre, tu vois, en vrai, tu peux faire... tu pourrais retirer, je pense, le bouclier. Mettre l'épée ici. Et... le bâton magique ici. Ah non, ça marche que dans un sens. Il faut
faudrait le mettre ici. Tu vois pas le thème, bordel. Faudrait prendre ça, là. Voilà. Et s'il y a moyen de mettre le bouclier ? Je suis lourd, putain. Du coup, il faudrait changer quelque chose, mettre un truc un peu plus léger. Ah bah là, je suis léger. Voilà. Enfin, quand je dis je suis léger. Bah parfait. Ouais. Ouais, ok. Ok, ok. C'est un style, hein. Ben alors tout ça, c'est quoi? Bon, tu sais quoi, on va continuer là où on était. Ah non, c'est ce fight-là. Celui-là, il est hardcore. On va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans le pantalon. Non, lui, il est... Je sais combien, 400. Bah merde, il me semblait pourtant pas... Je l'ai buté. Bizarre ça. Bah ouais. Ah non, mais c'est pas là du tout, c'est là. C'est ça que je me dis. Putain. Oui. Lui, je l'ai buté, lui. Je m'en rappelle très très bien. C'est ici que c'est pas pareil. Ça. Hein. Oula, 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 oula. Non, c'est pas là. Je le touche, ça va.
Et je lui mets une gifle. Ouais, c'était pas ici. Si, c'était là. Ah bah, c'était là. Encore déjà fait, ouais. Non, 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 là, je m'étais trompé de... Je m'étais trompé d'entrée. Je crois qu'on va jouer avec le bouclier. Oh, oh, j'ai failli tomber. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça n'a pas été activé, ça? C'est une épée magique. C'est ça. Ça scale sur... c'est une épée sacrée, en fait. D'accord. Il y a beaucoup d'épées sacrées, quand même. Alors ça, je connais, hein. Mais j'en ai pas encore vu dans les... dans Elden Ring. C'est... ils sont où ces cristaux là? Ils sont là. Il n'y a rien du tout. À jeter des objets. En fait, ça, c'est des cristaux qui servent à trouver si jamais il y a un sol invisible. Tu vois? Pour aller là. Tu vois? Tu vois, s'illumine une fois en place et sert de guide. Et ça, c'était beaucoup utilisé dans Dark Souls 1. Et ça existe toujours, hein, tu vois.
C'est un marqueur, une fois placé au sol. Et dans le temps... Mais là, j'en ai jamais vu, là, dans Elden Ring. Tu vois, tu fais ça, hop. Et là, comme il tombe tout en bas, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de sol invisible. Alors que dans les Souls, habituellement, bah, ça s'arrête juste devant toi, tu vois. Il tombe à tes pieds, bah, comme ici, gars. Hop là, tu vois. Ça te permettait de voir des sols invisibles. Or là, il n'y en a quasiment pas, quoi. Enfin, j'en ai jamais vu. Et c'est dommage qu'il n'y en a plus là. Très dommage. On peut aller en. Oh, il a tourné puis. Oh, c'est pas possible. On peut aller en bas là direct. Je pense qu'il y a moyen de rusher le truc. Tiens, peut-être là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Je regarde, c'est pas un mur invisible. Cam. Pour être sûr. Des fois, il y a des trucs, hein.
Quoi? Oh, ça abuse. Je t'abusais. Bon. Je dois faire pipi. Petit bâtard. Voilà. Il est pas mort pour autant. Ah, il s'arrête ici. Je croyais qu'il allait monter tout en haut. Mais non. Il a changé de stratégie, bien sûr. Ah, il faut zigzaguer entre les deux. Oh là là là. Oh, ça va être un enfer. Oh, c'est... Mais regarde, il me touche pas, là!
J'étais obligé parce qu'il y en avait un juste au-dessus. J'ai fait... Ouais, tant pis, je tente. Je tente. Oh, faut pas tomber par contre. Mais comment je vais faire après si je meurs? Il y a un chemin en bas là. Une échelle. Incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air incroyable aussi, ça. Elle va où, cette échelle? Elle monte? Peut-être pour débloquer un raccourci, peut-être. Ça, ça monte haut, hein, quand même, pour un raccourci. Ah, ça ramène ici. Ça sert à quoi de venir ici? En fait... Je comprends pas le délire. Ok. C'est pour dire que celui du fond là-bas, il arrive en même temps que lui. Ah non? Quoi ça sert de venir ici? Putain, je vais aller faire pipi, j'arrive. Ça sert à rien. Je sais pas. Je vois pas l'utilité de venir ici. Pourquoi la... Pourtant l'échelle elle est grande.
Ouais, ça c'est ce que j'ai tué. Ça c'est l'échelle. Ok, donc il faut descendre en bas maintenant. Ok. Ah ouais. J'ai l'impression que ce côté-là est plus petit. Il va se réveiller. Sûr. Non? Non. C'est quoi? Ça devient compliqué. Je sais pas où. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'apparition du. Oh, mais je reviens là, mais non. Ah, c'est pas le même. On dirait que c'est le même, mais c'est pas le même. Ça, c'est con de mourir comme ça. Ça tremble. C'est trop dur ces stages-là, là. C'est... Alors ça, je vois pas c'est quoi. J'ai tenté, je me suis dit peut-être que... Tu vois? Elle est partie, ma chérie? À tout à l'heure? Parce que là, si je veux monter, là... Oh, c'est juste en face. Mais non. Bah, j'ai compris à quoi ça sert de venir ici, en fait. C'est pour sauter là et courir directement là-bas. À moins que c'est un fake. Non, c'est un fake. Oh! Non, il faut trouver une manivelle. Mais non. C'est fermé. Ah non, on peut l'ouvrir. Oh, il est magnifique.
Putain, c'est bizarre, ça sent la clope, hein, ouais. Wow, 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 wow. Ça va être chaud, ouais. Ça va être bouillant. Ça va être chaud, j'avoue que là oh, il a un bouclier le bête. Merde, je suis trompé. Oh mon srab. Faut que tu viennes à mon secours. Oh. Bon. T'as compris ce que je vais utiliser ? Que là avec leur bouclier il est tanky mon srab, regarde à deux sur lui vas-y tiens le choc hein. Mon poteau, mon frère d'armes, oh bah ça fait plaisir. Ah, ils m'ont tapé par derrière, mais non. Oh là 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 là. Cassos. Merde. Ils sont tous les deux sur lui. Pas assez long. Ah, il rush. Rush. Ah. Faut juste en buter un, puis après, après voilà quoi. Oh, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça te semble trop dur? Non, c'est faisable. C'est faisable, mais... Oh, les squelettes juste avant, non mais ils auraient pu les retirer quoi. Ça te met déjà dans la sauce dès le début. C'est abus. C'est totalement de l'abus quoi.
faut juste apprendre le petit pattern. Voilà. Oh, ça a pas touché. Je suis comme un dingue. Ça court maintenant. Il y a moyen. Hein. Mais ils ont des gros boucliers en vrai. Hein. Mais il rush, merde! Oh là là là! Bon, c'est faisable, hein. Ça va vite, hein. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Donc je me bats. Okay. Les mecs ils me suivent pour l'instant. Les mecs ils me suivent. Ouh, là, 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 là. Si au moins la première attaque elle passe quoi. Faut faire vite.
faut en buter un très très vite. Sinon, la magie. On va essayer. Je vais voir la magie. Ça passe. Ça passe. Ça va le faire. Ben ouais, il n'a pas de bouclier. Il n'y a pas de bouclier. Donc lui, c'est bon, c'est bon, il est mort. Par contre, il faut être très très loin. Ouais, une fois que lui il est mort, je t'avoue là je suis dégoûté parce que je lui ai lancé deux magies quand il était en l'air, ça l'a pas touché. Ça m'a foutu un peu dedans quoi. Petit brush là. C'est mal foutu hein, le système de popo là, tac 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 tac, tu dois choisir ta popo, t'as pas le temps.
Ça vient tellement vite, mec. Ah, j'étais gourmand. Oh là 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 là. Il vient tellement vite. Je me suis trompé de popo, hein. Oh là 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 là. Oh, j'ai... Il a tué mon Scrab. Le mur. Oh, le mur qui m'a kéblo, putain. Je l'avais, hein. Je l'avais. Allez.
Oh putain, le mur qui m'a bloqué encore une fois là. Ah ouais, l'autre, il lui sort des... Ben 28 000 âmes juste pour ça, ben putain. C'est pas cher payé. Hein. T'as géré, merci. Oh, les, dis donc. Pas cher payé, mais par contre on a eu des grosses armures là. L'armure du creuset quoi. Cool. C'est quoi que j'avais comme casque ? Ah, c'était celui-là. On va mettre ça. Ça le fait aussi, ça. On va mettre ça. En regardant ce combat épique. On peut le retirer du coup. Ça c'est réglé. Combat épique, je crois. Si, ici, là. Ah oui, bah c'est le même. C'est le même combat...
Oh, mais il y a un truc en haut, là. En venant d'ici. Là, il y a deux fights, ils disent. Vas-y, on va aller voir. T'as vu, je prends pas de niveau. Hein. Faut te dire qu'arriver au niveau 100, après, c'est dur de prendre des niveaux. Alors, est-ce que c'est par là? Non, pas du tout. Est-ce que c'est par là? Oui. Juste ici. Apparemment, il y a un fight. C'est pas ça. Hein. Ah ouais, regarde. Bah non, j'ai pas mon... Ah, j'ai pas la torche. Avec eux, j'aurais pu faire la torche, tu vois. Merde, qu'est-ce que je fais? Vous étiez bonne tes nouilles. Petite nouille chinoise là. Japonaise, des nouilles japonaises. Ok. Costaud, hein.
Ah bah ouais. Le chien. Oh putain, il y en a encore. Hein. Bon, c'est fini. Oh, je l'ai déjà fait, putain. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout ici? C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est un vendeur. Pourquoi je suis... Ah, c'est peut-être parce que ici, en fait, tu peux farmer des pierres sur les mobs. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai mis ça. Sinon, je vois pas d'autres... Toujours pas... Je me souviens aussi que quelque part, il y avait un mec avec une tête de tournesol sur un pont. Où il est, je sais plus où il est, lui. Il servait à rien. Peut-être que maintenant que j'ai buté le boss, ouais, bah s'il est pas là, il est pas là. Il était sur un grand pont. Alors, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Où est-ce qu'il était que je me souvienne? Un pont cassé, c'était. Ah.
Là, il y avait ça aussi. Ça, c'est une énigme. Je sais pas à quoi ça sert. Ça, là. Alors, s'il y a des gens qui savent ce que c'est, ça. Un truc doit être posé ici. Ça, c'est une énigme. Où est-ce qu'il pourrait être? Tiens, on va retourner à l'ascenseur pour voir ce qui se passe. J'ai jamais activé cet ascenseur. Enfin, j'ai jamais réussi à l'activer. J'active pas. Hein. Dis-moi pas que les géants ils sont revenus là. Oh putain, ils sont revenus les deux géants là. Allez, je passe. Ouf. Faudrait que j'essaye de les buter. Hein. C'est quoi ça? Mais il en reste un. Faut buter les deux.
30 en force. Ok. Tu les as battus ceux-là ? Ah, ils sont compliqués quand même. Faut bien être équipé. Hein. Je suis à combien là ? 55 000. Wow, je pourrais bientôt passer à niveau. Je vois pas du tout où est-ce qu'il est le man. Tout ça j'ai fait ici. Hein. Ouais, j'ai tout poncé, j'ai tout buté. Ouais, il y a une porte fermée là-bas. Ah, je suis déjà venu ici parce que regarde, là, il y a un cadavre et à mon avis il y avait un loot à prendre. Mais je vois pas où est-ce qu'il est spawn. Bah ouais. C'était un mec en forme de tournesol et... Inokami, salut, comment ça va? Du coup, je vais peut-être pas prendre de risque, je vais prendre mon niveau là. T'as combien mon niveau? Soixante-trois mille. Merde, je sais même pas combien je suis. 58. Il faut 5 000. Deux mille. Donc j'avais dit de l'endurance. Hein. Endurance.
5000 balles qu'il donne, lui, mais non. Punaise. Des fleurs de sang. Oh non, de l'artéria. Oh, ça monte tout en haut là. Puis c'est pas possible. Et là, ça descend. On va faire déjà en bas. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Bien défoncé. Ils m'ont bien défoncé. Il m'a déglingué. Du coup, lui, il revient. Eh, mais sérieux, tu le farmes, lui, tu te fais... Tu te fais masse, quoi. Il esquive tout. Il doit avoir une technique pour le farmer. Lui. Parce qu'en fait, il est long. Putain, alors ces oiseaux, ils viennent de où? Là-bas. Mais ils font mal. Du coup, il y en avait un deuxième. Ah oui, là. Oh, j'avais même pas. Ouais, mais je monte en fait. J'aurais dû descendre. Parce que ça, c'est l'objectif principal. C'est pas grave, on va aller jusqu'à le prochain feu de camp. Ça va, c'est plutôt calme ici. Hein.
pas. Une bouboule. Ça c'est fait. Là ça monte. Ok, attention de pas tomber. Là, ça pue la traîtrise et l'embuscade ici. Ok. Ah, c'est mon feu de camp là-bas, d'accord. Donc on est ici. Oh, pierre de forge 7, ça c'est bon ça. Très très bon. Elles deviennent très très rares ces pierres quand même. Je trouve ça un peu abusé quand même. Bon. Ah ouais. Ça, ils sont beaucoup, hein. Mais il tombe où? Parce qu'il y en a un, il a l'air d'avoir un gros zizi là-bas, là. Comment te dire? Let's go. Je
Ouais. Ah ouais, il encaisse. Hein. Bête de Dieu, parce que pour encaisser ma magie comme ça, je peux te dire que c'est t'en as une sacrée paire. Hein. Oh, putain, ça a sonné. Oh là là.